Hello YouTube, j'ai dit Insta pas du tout, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous retrouve dans la pièce qu'on a commencé à refaire mais qui ne ressemble à rien. Il y a tous les cartons du lit d'Eden puisque du coup on lui a changé son lit. Donc j'ai stocké les cartons là qu'il faut que j'emmène à la déchetterie. Là c'est tout parce qu'on a commencé à repeindre et il faut que je fasse les finitions. Et ça fait genre 2 semaines qu'il faut que je fasse les finitions et je me suis toujours pas mise. Nickel, attention, attention. Ah, Eden, ça s'est bien remis ou pas? En train, Abby a trouvé le portail, il a ouvert les deux côtés, on a besoin que d'un. On est parti là pour aller au parc. Allez, go! On va aller se promener, ce qui fait grand soleil. Par contre, ça me fait découvrir que j'avais 2 paires de lunettes de soleil et que les deux ont littéralement disparu. Je fais tous mes sacs. Donc, j'ai trouvé une quechua qui traînait. Je pense que c'est des potes à nous qui l'ont oublié. A mon avis, je pense savoir qui est le propriétaire. Youp! Hop! Et du coup, il faudra qu'à l'occasion je le rende, parce que c'est pas un des potes qui habite à 5 minutes de la maison, donc pour aller lui déposer, c'est un peu loin, une bonne heure de route. Donc du coup, bah, ça me dépannait en attendant que j'aille m'en racheter. Bah ouais, ça fait du bien de marcher, exactement, Hélène. Youp, j'en ai une qui court un petit peu, je le sens pas, je sens qu'avant la fin de la promenade, ça va faire badaboum boum boum. Chop, pourquoi cet âge-là? Ça court et ça tombe. Je n'ai jamais compris. 1, numéro 2... Ouh là, là-bas, ça va être un peu dur la toile. Et numéro 3. Ça y est, Abby arrive enfin à faire les structures de jeu des plus grands. Vu qu'elle va avoir bientôt 4 ans. Tu veux refaire? Tu veux aller où? Oula, c'est pas un peu dur ça. En revanche, sur ce truc-là, elle est trop petite. Oui, bah à mon avis, vu l'écartement entre les cordes, tu vas pas aller bien loin. C'est au moins ça qui me rassure. Parce que ça... Oui, je vois bien que tu montes bien, ma puce. Oh, si, quand même, elle arrive à avancer. Je pense pas qu'elle pourrait aller bien plus loin que là. Maman! Bah oui! Allez, je regarde. T'as réussi, oui, mais tu vas. Bon, au moins, elle a des encouragements, on peut pas dire le contraire. Ah, ça devient difficile, hein? Bah oui, t'es trop petite. Allez, redescends. C'est bien déjà ce que t'as fait, Abigail. Je peux te fier de toi. Redescends jusqu'en bas. Bon, on vient de rentrer, on est passé à un point relais. J'avais 3 colis annoncés arriver. C'est des trucs que j'ai commandés sur Vinted. Youp, je vais essayer de voir ce que j'ai. Parce que... Alors, il m'a dit qu'il n'avait plus rien. Parce que comme j'ai commandé à peu près 7-8 trucs, je me suis dit que ce serait bête d'avoir fait un aller-retour. Alors, il n'est pas très loin de chez nous, mais bon, j'essaye d'éviter bêtement de faire des trajets pour rien. Youp. Du coup, on va ouvrir tout ça. Je vais prendre un ciseau. Bon, ici, déjà, on est un petit peu plus haut. Je vais voir pour ouvrir. Et moi, je lui ai pris sur Vinted une veste en jean pour la demi-saison en 12 ans. Ah, vraiment, oh, ouais, 12 ans, c'est ce qu'il faut. Je me suis pris une petite veste en jean sans manches, lisse, comme ceci. Alors, à mon avis, celle-ci, c'est la mienne. Non, c'est pas la mienne, c'est grand, c'est qui ça? 8 ans. Donc, c'est une que j'ai pris pour Lily Rose. Regardez, comme ça. Et après, j'ai commandé le même style pour Abby et pour moi. Bon alors, je suis rattachée les cheveux parce que moi quand je cuisine, je déteste avoir les cheveux dans le visage. On est sur la grande cuisine, c'est fini. Alors déjà, j'ai découvert que dans mon congélateur, j'avais des steaks hachés. Je ne me souviens même pas la dernière fois que j'ai mangé un steak haché. Donc, il en restait 5, donc ça fait 4 pour nous. Je vais faire avec des pâtes parce que c'est 11h58, donc autant vous dire qu'il va falloir aller très vite. Et avec du double concentré de tomates. Donc je vais faire chauffer mes petites pâtes qui cuisent en 9-10 minutes. Donc ce qui est bien, c'est que chez moi, l'eau bouge vite. Je suis désolée pour le fond. C'est affreux, même moi je suis dans le déni face à mes cartons, je suis là, non mais demain je ne vais jamais la saison, je ne peux pas techniquement en termes de volume aller à la déchetterie avec les enfants, ça ne rentre pas ce qu'il y a à mettre à la déchetterie, les enfants dans la voiture, et comme ils sont trop petits pour que je les laisse seuls, ben voilà, et bah ben pour le moment je fais avec ça aujourd'hui et demain il n'y aura plus rien, enfin je me l'imposerai demain matin et j'irai jeter tout ça. Bon, on a mangé, devoir fait, je pars détacher mes cheveux, et on vient de mettre le chapeauté 2 avec ma Lily. Tu mets tes lunettes par contre, je pète. Et Dan, il fait la switch et Bibi est à la sieste. Profite. Il est heureux quand même là, le chapeau. Bon, il est quasiment 16h. Bibi est descendu. Bibi, c'est Abby que j'appelle Bibi. Je me refais faire des pancakes. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Et là, j'ai envie de faire des petits pancakes pour le goûter. Ça change un petit peu. Ça se fait vite. C'est vraiment dans cette qu'on fait souvent. Il fait super bon, franchement je suis contente qu'on soit sorti ce matin. Là après le goûter je pense qu'on va ressortir un petit peu. Mais par contre cette fois on va se contenter du jardin. Voilà, on a quand même un grand espace extérieur. You. Et après Eden à piscine. Sur moi c'est en fin d'après-midi les activités. Donc c'est 300 grammes, ça me paraît énorme.
Et voilà, petit pancake sont en train de cuire. Donc, vous voyez ça, avec une seule sachet de, un seul sachet de levure, c'est un petit peu épais, vite fait. Youp, j'attends que les bulles apparaissent. Youp, ouais, ma super spatule pour tourner. Hop là. Hop là. C'est parti, un pancake chacun. 3, 1, 2, 4. Alors, t'as quoi comme tenue, toi? Oh, non, on va pas mettre ça. Viens la poupette. Tu veux quoi? Tu veux une couette ou tu veux des tresses, Lily? Maman, des tresses. Ok. Maman. Qu'est-ce qu'il y a, Dan? Je veux une petite boule de fromage. Hop, super, ma puce. Je vais attacher un côté. Pas que ça nous gêne pendant que je te coiffe. Tiens, prends. Hop là, Lily Rose! Il manque plus que toi, poupette, je te vois! Allez, go! On va être en retard à l'école! Ah bah, on a fait une petite tresse collée pour les deux. Abby voulait comme ça, sœur. Bon, enfin posé, j'ai quelques petits boutons là qui ont poussé. Bref, this is the life. Ça dépend des cycles, n'est-ce pas? Enfin, en tout cas, dans mon cas. Là, c'est la journée un peu plus speed, puisque jeudi, c'est le jour de la semaine où je les récupère à midi. Normalement, c'est jeudi pizza. Alors, ils font un peu la tranche parce que ça peut être pizza, mais quenelle. Parce que j'ai acheté des quenelles pour changer, pensant leur faire plaisir. Pas du tout. Ils sont très très attachés à leur jeudi pizza. Donc, on va pas gaspiller, comme je leur ai dit. Donc, ils vont manger pizza, je pense. Pizza. Vous voyez, tellement habitués de quenelle. Donc, ils vont faire un peu la tête. En fait, de base, c'est parce qu'ils avaient rendez-vous orthophoniste le jeudi. Et du coup, comme c'était à l'heure de manger, je prenais les pizzas. Donc c'est vrai que c'était un peu devenu une petite tradition. Enfin, en tout cas, ils l'ont très vite inclus dans leur routine. Hein, chacha? Papa? Et du coup, là, le fait que j'y déroge, ils n'aiment pas ça. Hein. Bon, j'en ai profité. Je devais aller passer ma commande. Enfin, payer ma commande chez... Ma commande chez Mondial Tissu, puisque on m'a fait faire un rideau sur mesure pour notre vitré et j'ai commandé la tringle qui allait avec. Donc voilà, et j'en ai fait faire un détour pour aller récupérer mes colis vintage que je vais ouvrir. Voilà, je vais ouvrir ça sur Insta et après je vous montre ce que j'ai pris parce que sur YouTube c'est très désagréable. Et... On est d'accord? Du coup, j'ai tout ouvert. Alors, on a droit à deux petits couacs. Le premier qui n'est pas dramatique. J'avais commandé sur Vinted pour Lily Rose les 5 premiers tomes de Miraculous collection Rose Claire. Et j'ai le 1, 2, 4, 5, 8 au lieu de 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, je lui ai écrit pour savoir si c'était possible d'inverser. Hein, s'il faut voir. Je lui renvoie le 8 et elle m'envoie le 5. C'est pas dramatique en soi, c'est pas Lily Rose, mais bon, c'est dommage parce que du coup, le but après, ça aurait été de, si elle aimait beaucoup, de continuer la collection. Après, par contre, là où il n'y a pas eu de quoi que je vous finis avec le gros quoi qu'à la fin. Donc, j'ai pris une petite chemise en jean, une robe jean pour Abby, parce que Lily Rose en a une, et du coup, comme on aime bien faire des looks, une combinaison en jean pour Abby, parce que Lily en a reçu hier la sienne, je crois que je vous l'ai montré, qui est une Zara. Non, je sais plus, c'est pas une Zara celle-ci. Et le couac, c'est que normalement, j'ai regardé dans mes alertes derrière Vinted, comme j'ai commandé à peu près une dizaine de trucs, je me suis dit non, mais lequel je me suis loupé. Donc il s'avère que normalement, j'aurais dû recevoir une veste en jean, comme il habillait la robe Eden en veste en jean. Et à la place, j'ai reçu ça. Donc c'est une boîte de chaussures, je me suis dit, tiens, la personne a envoyé ça dans une boîte de chaussures, c'était emballé dans un truc comme ça. J'ouvre. Et c'est bel et bien des chaussures, neuves en taille 44. Mais chez nous, personne ne fait du 44, donc à quel moment j'aurais commandé ça pour Anto? Quoi, Anto, il fait du 41,5-42 sur les marques, quoi. Donc voilà, je ne sais pas ce que je vais faire de ça. J'ai contacté la personne en disant, bah, on a un problème, parce que autant le livre, je m'en remets, autant ça, je ne sais même pas si la personne n'est pas perdante d'ailleurs, parce qu'une paire de chaussures neuves, à mon avis, ça coûte plus cher que la petite chemise que ce que j'ai acheté. Je remets dedans et puis je vais voir si on peut avoir un bon retour pour que ça lui renvoie et qu'elle m'envoie le bon article, quoi. Alors lui, c'est fait pour l'heure. Tu me donnes toutes les cartes, Loulou? Ouais. Toutes les cartes. Il faut avoir 1000 points. Si t'as pas de feu vert, tu jettes une carte et tant pis, je suis neutre. Ok. Alors essaye celle-ci, il faut jamais les jeter. D'accord? C'est des cartes qui te rendent super fort. Super fort, ça veut dire quoi? Bah, par exemple, si t'as celle-ci, on peut jamais te mettre pas de dessin. Je suis de nouveau à l'école. Cet après-midi, je reprends un peu le temps, cette fois pour prendre un peu plus en main mon drone. Donc, on dirait un jouet comme ça, c'est le DJI Mini 2.
Donc c'est ultra light, ça pèse 249 grammes. Franchement, on a l'impression que c'est un jouet, mais je vous assure qu'au vu du prix, c'est pas un jouet. Et donc pour le prendre en main, parce que j'ai vraiment envie de pouvoir faire des jolis plans au drone pour différents tournages, quand je fais notamment des contenus pour des logements, pour des séjours, etc. Je trouve que c'est super cool. Et puis aussi pour les mariages, ça sera pour le but. Du coup, là j'ai installé l'application sur mon nouveau téléphone. Enfin mon nouveau, je l'avais sur mon ancien téléphone, mais du coup là du coup sur celui-ci. Et donc je regarde un petit peu, parce qu'avant on en avait un autre, on n'avait pas celui-là, donc du coup je regarde un petit peu les différences. Donc voilà, j'ai avancé un petit peu là-dessus, j'ai avancé aussi un petit peu sur de la paperasse. Et puis voilà quoi, là ça n'a rien que je me lance trop. J'avais hésité d'en lancer dans un tournage, mais je pense que je le ferai plutôt demain, parce que le vendredi c'est vraiment une journée où ils sont à la cantine, donc c'est plus simple. Et jeudi j'essaie vraiment de faire des trucs un peu plus... enfin de m'organiser différemment quoi. Tu t'es trop plaint que l'Étienne ait marché mal en ce moment. Et t'as vu, c'est pas la même couleur, comme ça tu pourras pas dire c'est laquelle qui fonctionne encore. Allez, c'est bien joué. Il faut que je souffle là. Bravo.